J'ai la chance d'être avec monsieur de Gigou, l'heureux propriétaire de Gamin d'Oudéry qui vient de survoler le prix Antoine de Palamini. Monsieur Gigou, félicitations. Trois courses sur le steeple, trois victoires pour Gamin d'Oudéry. Et on dirait qu'il ne va pas en rester là. Il y a quelque chose qui m'a fait sursauter quand vous avez introduit, survoler. Non, je trouve que quand on survole, on gagne plus facilement. Ceci étant, le cheval a fait ce qu'on lui a demandé, il a gagné, c'est le principal. Et il reste effectivement sur trois bonnes performances sur le steeple de Pau. Bon, maintenant, va falloir voir ailleurs, parce qu'ici, ça se termine. Et puis, il a l'air toujours être encore sur ses quatre pattes. Donc, on va le faire recourir. Voilà. Alors, c'est un fils de Capgarde. Un étalon qu'on connaît bien sur le marché français, qui était anciennement entraîné par Guillaume Macaire avant de commencer sa carrière de reproducteur. Un étalon à qui vous emmenez certaines juments? Depuis le début. Depuis le début, j'ai toujours cru à. Je vais me répéter, j'ai dit ça à une personne tout de suite là, mais Capgarde, c'était un bon sang, c'était un sang excellent. Le sang de Garde Royale m'avait toujours passionné. Les étalons, pour moi, c'est vraiment une passion. Et l'élevage, enfin, forcément, l'élevage, bien sûr. Mais chercher les étalons, maintenant, on a un peu plus de mal à trouver les sangs qui conviennent à la discipline, mais on a la chance d'avoir une jumenterie, quand on a des AQPS, une jumenterie qui, elle, a des gènes obstacles, donc on peut pas se servir forcément des sangs qui sont des sangs des chevaux de plat, parce que je pense qu'on améliore plus avec le plat qu'avec l'obstacle, mais là, avec ça, c'était Garde Royale qui m'avait passionné, et j'y ai envoyé beaucoup de juments, et j'en ai encore trois destinés l'année prochaine, parce que j'ai celui-là qui est bien. Hier, j'en ai un en Irlande qui a pas couru, mais qui a gagné en groupe 1 en Irlande il y a moins d'un mois. C'est Fakir de Haït, un bon cheval. Capgarde, donc tout ça, c'est vraiment un bon cheval. Après, maintenant je cherche le suivant. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, monsieur de Gigou, le repropriétaire de Gamin d'Oudéry, donc qui vient de remporter le prix Antoine de Palamini.